La petite ville de Mehun-sur-Yèvre, située dans l'actuel département du Cher, abrite ce qui fut l'un des plus étonnants châteaux forts. Il fut pour l'essentiel l'œuvre de Jean, duc de Berry, frère du roi Charles V. Grand amateur d'art, Jean de Berry construisit à Mehun un palais-forteresse qui a marqué son temps. Cet édifice a très certainement contribué à l'imagerie moderne des châteaux de contes de fées. Jean est né en 1340. Fils du roi de France, Jean de Le Bon, il reçoit le Berry en apanage en 1360. Les cadets de France sont en effet pourvus de terres détachées du domaine royal. Ils deviennent du même coup des seigneurs vassaux du roi. Certains cadets engendreront de puissantes dynasties, la plus connue étant la maison de Bourgogne, fondée par un frère de Jean de Berry, Philippe le Hardi. Jean de Berry amasse une importante quantité de livres et d'objets d'art. Le château de Mehun va devenir leur écrin. Aujourd'hui, cet édifice est très abîmé, mais deux illustrations anciennes permettent de le reconstituer. Il y a d'abord une miniature datant de la fin du XIVe siècle et réalisée à la demande du duc pour décorer ses célèbres riches heures. Il y a ensuite une belle gravure de 1737 où le château apparaît déjà en ruine. Ce château n'a pas été bâti ex nihilo, il s'appuie sur une base philippienne datant du XIIIe siècle. On retrouve d'ailleurs le plan traditionnel de cette époque. Une enceinte quadrangulaire flanquée de tours cylindriques qui surplombe le chemin de ronde. Les bases des édifices sont alutées. Il n'y a pas de donjon, juste une tour plus grosse appelée tour maîtresse. Sur cette base, l'architecte de Jean de Berry va percer de hautes fenêtres, installer de larges escaliers, bâtir de vastes logis et surtout élever des superstructures gothiques dignes d'une cathédrale. Le château acquiert alors une élévation verticale très prononcée, renforcée par l'étroitesse de son plan. Sa surface au sol dépasse à peine les 1000 mètres carrés, tout juste de quoi faire tenir le donjon de Coucy. Le château est établi sur un éperon qui domine la plaine marécageuse de la vallée de l'Yèvre. Sur le plateau, une vaste basse-cour, faiblement défendue et partiellement représentée ici, précède le château. La haute cour, le château lui-même en fait, est séparée du plateau par un fossé artificiel, large de 30 mètres et profond de presque 10 mètres. Le fossé est fermé par de basses murailles, faisant office aussi de digue. Ainsi, le fossé peut être inondé de 3 à 4 mètres d'eau. L'effet du château se reflétant dans l'eau des douves devait être inoubliable. Du côté de la plaine, le château est protégé par une enceinte basse appelée Bray. Cette enceinte devait faire obstacle à l'approche de l'enceinte principale. La hauteur du mur est juste suffisante pour que les soldats circulant derrière soient à l'abri des tirs venant de la plaine. Une sorte de bastion dont l'élévation est difficile à préciser est construit à l'angle le plus exposé. Le château est accessible depuis la basse-cour selon un procédé assez commun à l'époque, comme ici à Sussignaux. Un corps de garde est établi dans une barbacane qui conduit à un pont à trois arches franchissant le fossé. Il s'interrompt à quelques mètres du châtelet pour laisser la place à un pont-levis ou à un pont démontable. Ce châtelet se distingue des châtelets de l'époque, moins saillants et comportant presque toujours un pont-levis à flèche. Ici, le caractère décoratif l'emporte sur l'aspect défensif. Le châtelet est essentiellement destiné à porter une extravagante chapelle à deux niveaux. Le châtelet, comme le reste du château, est couronné par un parapet crénelé disposé sur des mâchicoulis décorés d'arcs trilobés.
Ce système remplace à la fois les ours et les créneaux des siècles précédents. Ici, l'aspect décoratif de la structure égale son aspect défensif. L'enceinte est flanquée de quatre tours cylindriques et de deux tours carrées. Le fleuron de la tour maîtresse culmine à environ 65 mètres du fond du fossé, presque autant qu'à Coucy. Cette tour comporte 6 niveaux, dont 2 occupent la superstructure gothique. Les 4 niveaux inférieurs sont tous voûtés et largement éclairés. La salle basse, avec son puits et son oculus, doit être la seule à dater du XIIIe siècle. L'aspect intérieur de la superstructure gothique couronnant la tour maîtresse est saisissant. Elle constitue une véritable verrière de 7 mètres de haut sur 9 mètres de diamètre. Comportait-elle des vitraux élaborés? Était-elle conçue pour être habitable? N'était-ce qu'un espace technique comme dans un clocher d'église? Y allumait-on des feux la nuit pour en faire une lanterne géante? Difficile de répondre. Pour les autres tours, les lanternes gothiques, bien plus petites, étaient chauffées et donc probablement habitables. À l'intérieur, la haute cour est réduite à une courette étroite et sombre. On y trouve le puits du château. Les logis établis tout autour sont desservis par des escaliers à vis. Le plus large d'entre eux conduit à l'aula du château. Cette salle de 180 mètres carrés et haute de près de 13 mètres est couverte d'une charpente lambrissée. Elle n'a pas les dimensions de la salle d'épreux de Coucy, 5 fois plus grande, mais avait une décoration qui a ébloui ses visiteurs. La toiture du château foisonne de flèches, cheminées, fleurons, pinacles, qui lui donnent un aspect très particulier qui a dû inspirer les concepteurs de Chambord. La couverture est assurée par des ardoises qui, à partir du XIVe siècle, deviennent un signe de distinction pour les grands et nobles édifices. Nous l'avons vu, l'aspect décoratif prime dans ce château qui ne tiendrait pas longtemps face à un adversaire déterminé. Mais devant des brigands ou des routiers, ces mercenaires sans solde, combattant pour leur propre compte, les trésors artistiques du duc de Berry sont bien à l'abri, tout en pouvant être exposés. Le château n'est cependant pas qu'un coffre-fort géant ou un musée. Il est aussi une résidence confortable et un décor somptueux pour les fêtes et autres réjouissances que la haute noblesse de l'époque affectionne. Meun-sur-Yèvre devient une référence à une époque où la culture française rayonnait sans égal dans l'Occident. C'est aussi le plus extravagant des palais-forteresses, type auquel le château de Pierrefonds, légèrement postérieur, et construit par un fils de Charles V, Louis d'Orléans, se rattache. Au XVe siècle, le château devient la résidence préférée du roi Charles VII, qui y meurt en 1461. Il est ensuite progressivement délaissé. Trop étroit, trop loin de la Loire, démodé par la Renaissance, trop coûteux à entretenir, il est abandonné et tombe en ruine au XVIIIe siècle. Après la Révolution, les carriers le débitent en ne laissant que la tour maîtresse et une portion d'une autre tour. Le château, dont les vestiges ont été consolidés à la fin du XIXe siècle, abrite aujourd'hui le musée Charles VII de Meun-sur-Yèvre.